Salut à tous, je suis Grace Charles Lopez du Royaume-Uni, mais je suis basée au Ghana d'où je dirige les activités des Prama Kumaris en Afrique de l'Ouest. Bienvenue au lancement de notre nouvelle initiative, Goutte de paix pour la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, le 17 juin, est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque année par les Nations Unies. Son objectif est de sensibiliser à la prise de conscience de la désertification et de la sécheresse. La sécheresse fait partie des plus grandes menaces pour le développement durable, particulièrement dans les pays en développement, mais de plus en plus dans les pays développés également. Il s'agit d'une des catastrophes naturelles les plus destructrices en termes de perte de vie humaine, entraînant des conséquences telles que mauvaises récoltes à grande échelle, feux de brousse et stress hydrique. Pour reprendre les mots d'Ibrahim Thiaw, secrétaire exclusif de la CNULCD, les récentes sécheresses laissent présager un avenir précaire pour le monde. Les pénuries d'eau et de nourriture ainsi que les incendies de forêt causés par la sécheresse se sont tous intensifiés au cours des dernières années. Cette année, le thème de la journée internationale contre la sécheresse et la désertification est « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». En insistant sur la nécessité d'entreprendre des actions urgentes pour éviter des conséquences désastreuses pour l'humanité et les écosystèmes planétaires. La contribution de l'initiative Brahma Kumaris pour l'environnement est une approche spirituelle pour renforcer l'initiative de la Grande Muraille Verte par la paix intérieure, les valeurs universelles, la résilience personnelle et collective. La Grande Muraille Verte est un mouvement dirigé par des Africains dont l'ambition épique est de faire pousser une merveille naturelle de 8000 km le long sur la largeur du Sahel en Afrique, l'un des endroits les plus pauvres de la planète. Une fois terminée, la Grande Muraille Verte sera la plus grande structure vivante de la planète, trois fois plus grande que la Grande Barrière de Corail. Notre contribution ? Les gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte ont pour but de faire pleuvoir en permanence de bons vœux, des pensées positives et des intentions pures, bonnes pour le succès de la Grande Muraille Verte. Nous adhérons fermement à la croyance selon laquelle les pensées comme les mots ont un pouvoir. Grâce au pouvoir de nos pensées, nous pouvons collectivement aimer, guérir, protéger, faire grandir, nourrir et sauver notre planète. À partir d'aujourd'hui et tous les deuxièmes dimanches de chaque mois comme contribution, nous offrirons de courtes sessions en ligne partout dans le monde. Celles-ci seront basées sur des valeurs et des méditations pour répandre des gouttes de paix afin d'inspirer l'harmonie internation et interconfessionnelle à travers l'Afrique pour encourager la paix dans les pays où les conflits continuent de déplacer les communautés et de faire croître un mur d'espoir contre la pauvreté abjecte. Nous commençons donc notre première session en ligne en mettant l'accent sur la coopération, la paix et l'espoir pour les pays touchés par la sécheresse et les personnes affectées par celle-ci. Il y aura de courtes contributions sur chaque valeur, suivie d'une méditation similaire. My home is embattled by desertification and drought. It's on the front line of climate change. If people can't work their land, millions across the region will be forced to migrate. Joining us from the studios, we have Malian musician and activist Ina Moja. She's traveling across Africa, recorded an album inspired by the Great Green Wall. I heard about this ambitious idea that aims to regreen landscapes from Senegal to Djibouti. An 8,000-kilometer Great Green Wall in the making. Le Sahel, c'est la lisière du Sahara. Mais la lisière n'est pas encore désert. C'est une histoire de survie de toutes ces populations du Sahel. It's way beyond planting trees. It's about revitalizing the ecosystem, the economy of communities. I wonder if we are going to succeed because it's bold. It's ambitious because it needs us to act on it. The future generation will hold us accountable. I've
Africa is home to the youngest population in the world. By 2050, there will be more than a billion people under the age of 25. By restoring the land, can we create an African dream? Est-ce que tu te vois vouloir rester ici, à travailler la terre? Oui, mais si on est là, on peut travailler ici. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il y a des gens qui comptent sur moi, mais ils perdent beaucoup de choses. With drought and desertification, what will these people do? Daudin Kapsanja, Kwanzani Rom, preparing our salary, boom. How impactful will your advocacy through music be? I can use my voice as an artist to share what's at stake. We need to make this happen now. It has to become a movement from the whole continent, from the whole world. Oui, l'initiative de la Grande Muraille Verte est née de la volonté des présidents africains qui voulaient lutter contre l'avancée du désert, lutter contre la pauvreté des populations dans les milieux arides, lutter pour l'enrichissement des communautés de femmes, pour apporter des revenus aux populations. Mais encore faut-il que le projet soit porté par des gens qui sont déterminés eux-mêmes, qui sont engagés au quotidien à planter des arbres. Moi, ce que j'observe en tant que citoyen du monde, c'est qu'on va chercher de l'eau sur Mars, alors que le village chez moi, le village voisin chez moi, il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, c'est le temps d'agir dans les réserve naturelle communautaire. Donc on clôture un endroit pour le protéger. Une fois que les populations ont compris qu'il y va de leur intérêt à planter des arbres pour sauvegarder leur agriculture, pour sauvegarder leur élevage, ils s'engagent. Et enfin, sur une partie importante, nous allons permettre aux populations, aux femmes, de venir faire du maraîchage. On donne la vie dans ces oasis. C'est celle que nous voulons reproduire un peu partout, riche de plantes qui vont nous enrichir en retour, en régulant la pluie, en nourrissant la terre pour l'agriculture, en nourrissant le bétail. Je commence la méditation en détendant mon corps. Mon cœur. Et mon esprit. Je respire profondément et lentement. J'arrive à un état de paix. Je vais à l'intérieur avec mes pensées, mes sentiments. Je me connecte aux parties les plus profondes de moi-même. Au fond de moi, je suis un être de lumière.
quand je suis en paix. Je peux facilement ouvrir mon cœur mon esprit. J'ouvre mon esprit et mon cœur pour la lumière, pour l'amour, pour encore plus de paix. J'ouvre mon cœur et mon esprit au divin. Devenu plus paisible et plus aimant. Et je m'ouvre et je me connecte au monde. Et mes pensées, mes sentiments peuvent se connecter à tous les autres êtres humains. Mais aussi à la nature, aux océans, au ciel, à la terre et au sol, aux animaux, aux arbres. Et j'envoie des gouttes de paix, des gouttes de compassion à la mère nature. Partout où je vois le besoin, je coopère avec Mère Nature, avec l'environnement. Je peux envoyer des gouttes de paix, de compassion à mon environnement. Je peux le faire de cette façon tous les jours. Je peux envoyer des gouttes de paix, de compassion à mon entourage. Ces gouttes peuvent créer de la verdure et de l'harmonie à nouveau sur la terre. Je prends une profonde respiration et je termine ma méditation. Je me sens rechargée et en paix. Bienvenue. J'aimerais vous parler de la paix du sommet avec l'initiative de la Grande Muraille Verte. La paix est à la fois ce que nous voulons atteindre dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte et l'énergie et la force que nous voulons apporter pour le succès de l'initiative. La Grande Muraille Verte est bien plus qu'une plantation d'un mur d'arbres. Parlons-en comme d'une mosaïque qui peut développer des terres durables, de nouvelles stratégie qui utilise l'agroécologie. Mais aussi, je pense que c'est un symbole de paix et d'harmonie interconfessionnelle parce qu'elle s'étend sur de nombreux pays. Je vivais dans le nord du Nigeria en 1985 quand Thomas Sankara était leader de Burkina Faso. Il a inspiré de nombreuses communautés à planter des arbres à travers le pays et a encouragé d'autres dans la région sahélienne à planter également des arbres.
Aujourd'hui, 35 ans plus tard, sa vision est toujours d'actualité avec l'initiative de la Grande Muraille Verte et aussi avec les Nations Unies qui ont décidé de consacrer cette décennie à la restauration de l'écosystème. Lorsque je vivais au Nigeria, j'ai appris le Hausa, langue commune à une grande partie des peuples du Sahel, et j'ai été frappé par la profonde sagesse de leur langue et de leurs proverbes. En saluant les gens, on demande comment va le corps, comment est la santé, comment va la famille, comment est la maison, comment ça va à l'école, la ferme, comment va le bétail. Mais on demande aussi Yaya Baré Nedugunya. Quelles sont les nouvelles du monde? Et la réponse appropriée est toujours de dire Alarari. C'est bien, c'est plein de bonté, c'est plein de paix. Et je pense que cette perspective positive de se concentrer sur le bien, la bonté et la paix est vraiment bonne. Il y a un autre proverbe Hausa que j'ai toujours aimé, Salaman Mange Dunya, la paix, le respect et la tolérance sont le remède pour vivre harmonieusement dans le monde. Au fil des ans, j'ai eu la chance de vivre et de travailler dans de nombreuses régions du continent. J'ai constaté que les connaissances, la langue et la culture indigène démontrent l'importance de la paix dans trois domaines différents. Premièrement, l'importance de la paix entre les peuples et même entre les peuples et l'environnement naturel, l'environnement externe. Il y a un autre proverbe Hausa qui dit « Wahi Hidiara » qui signifie « c'est l'eau qui guérit la terre ». Vous comprenez donc la relation entre l'eau et le sol. Dans l'ouest du Nigeria, on dit « si vous mangez le fruit d'un grand arbre, n'oubliez pas de remercier le vent, car c'est le vent qui a répandu les graines qui ont permis à l'arbre de pousser ». Les arbres sont également très importants. Ils sont souvent sous forme d'images ou de symboles dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Car c'est sous l'ombre des arbres que les communautés se réunissent, prennent des décisions sur la manière d'avancer harmonieusement. Cela nous amène à parler de la deuxième partie importante de la paix à laquelle je pense, à savoir l'idée de la paix au sein de la famille et les valeurs d'unité, de coopération et d'harmonie. Récemment, j'ai participé à un travail de recherche sur la résilience et j'ai eu le privilège de travailler avec les Dagaba qui travaillent entre le Ghana et le Burkina Faso. En langue Dagari, la résilience se résume à trois mots que l'on peut entendre comme une sorte de combinaison de courage et de patience, mais aussi les mots No longue et longta. No longue signifie l'appartenance, vous faites partie de la communauté. Longta renvoie à l'unité et à la solidarité. Tous ces concepts sont liés à la résilience, la capacité de survivre et de faire face aux défis, et aussi à la paix et vivre en paix. Donc, l'unité sociale, la coopération, l'harmonie, la paix et le contexte social sont très importants. Mais je pense que cela se rapporte au troisième domaine de la paix, cette idée de patience et d'acceptation. Cela renvoie à l'importance de la paix intérieure de soi. J'ai eu l'opportunité de vivre et de travailler en Éthiopie pendant un certain nombre d'années et le peuple Oromo dit qu'il faut être comme un œuf fragile qui se transforme en une poule qui est en bonne santé. Et pour atteindre cet objectif, il faut persévérer et être patient. La paix et l'harmonie à l'intérieur de soi, puis on les répand dans le monde. Alors le message ici est de commencer par soi-même. Cela me ramène à un dicton populaire qui vient, je crois, du peuple de Mali, Bambara, Mankantayi. Ce mot qui peut être traduit par « Vous savez qu'il y a un silence au cœur de l'univers quand on se connecte à un être véritable. Vous êtes sage
et on commence à se tourner vers ce silence, malgré le silence du monde matériel et social. Par conséquent, lorsque nous parlons de l'initiative de la Grande Muraille Verte et l'utilisation des connaissances indigènes pour en assurer le succès, il ne s'agit pas seulement des connaissances indigènes sur l'agroforesterie, la protection des sols ou la gestion des terres, mais aussi de l'intégration de la culture des connaissances et des relations entre les populations locales. Je crois que les ancêtres veulent que nous vivions en harmonie avec l'environnement, que nous vivions avec gratitude et attitude, avec respect, patience et acceptation. Apporter l'énergie de la paix dans ce que nous faisons. Vous savez, se souvenir du caractère sacré que nous en sommes en tant qu'êtres humains vivants sur la planète à cette époque. Savoir ce que c'est de ressentir la paix, trouver cette énergie en nous et la répandre dans le monde. Si nous sommes capables de participer à ces coups de paix avec nos cœurs, je pense que cela contribuera au succès de la Grande Muraille Verte, mais aussi d'une vie harmonieuse et pacifique pour tous les peuples et les êtres vivants de la région du Sahel. Thank you. Assieds-toi confortablement et respire lentement. Observe ton corps se poser dans un calme physique à chaque respiration. Maintenant que le corps est détendu, concentre ton attention sur le calme de ta respiration qui amène l'esprit dans un espace de silence. Et de calme où l'on fait l'expérience de la paix. Sens la paix se transformer en un océan. Sens ton être entier en paix, juste en paix. Dans cette paix, laisse-moi t'emmener en voyage à travers les 8000 km de la région du Sahel qui s'étend sur le continent africain du Sénégal à Djibouti. Ce n'est pas un voyage ordinaire. Imagine que tu as un énorme nuage de pluie et que tu te sens en paix, prêt à pleuvoir sur les terres arides du Sahel. Imagine que goutte après goutte, tu arroses la terre de paix et regarde comme chaque goutte de paix transforme cette terre aride en champ vert avec de l'herbe verte, de petites pousses aux nuances vertes, une autre végétation naît. Lentement, toi, le nuage te déplace sur chaque pays du Sahel. Tu passes au-dessus du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, en répandant des gouttes de paix. Et en voyant des rayons verts magiques apparaître sur ces terres, tu continues vers le Niger, le Nigeria, le Tchad. Une fois de plus, tu fais tomber tes gouttes de paix et tu vois les champs verts et les cultures apparaître sur des terres sèches de ces pays.
en continuant ce voyage, refais le point dans ton esprit une fois de plus. Tu es un énorme nuage de pluie qui se sent en paix et prêt à projeter ses gouttes sur cette région. En continuant le voyage vers le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Avec l'objectif de faire tomber toutes les gouttes de paix sur cette terre. Tu as atteint la fin de ton voyage. Jette un regard en arrière sur ta création. Vois la belle merveille que tu as créée dans cette région du Sahel, apportant la paix non seulement à la terre, mais aussi à ceux qui ont hérité de la terre. Lorsque nous regardons cette perle précieuse qui se trouve ici au milieu de l'espace et que nous voyons cette perle bleue, la seule planète qui peut soutenir la vie, du moins telle que nous la connaissons, nous réalisons à quel point la planète et la vie sont sacrées. Cette terre a donné la vie pendant des millénaires et quand nous la valorisons et que nous lui donnons notre amour, notre attention et notre gratitude, et comme elle s'occupe si bien de nous, alors la Terre nous répond avec cet amour aussi. À un certain moment, peut-être pendant des centaines d'années, nous avons pensé à la Terre non pas comme quelque chose de sacré, mais comme une ressource que nous pouvons utiliser. Et c'est ce que nous avons fait avec agressivité, juste préoccupés par nos besoins, voulant continuellement, bien sûr, nous donner. Mais ses ressources sont limitées. Elle ne peut pas continuer à donner et le moment est venu pour nous de renouveler notre foi et l'amour avec le divin et la terre aussi. Je sais que je n'ai pas créé la terre. Nous n'avons pas créé la planète. Nous n'avons pas créé toutes les choses qui soutiennent la vie. Nous n'avons pas créé la vie. Mais la création est venue à nous comme un cadeau. La création de la terre, mais aussi la création de nos propres vies. Et lorsque nous commençons à penser au caractère sacré de toutes ces choses, alors nous apprécions énormément tout ce que le Créateur a fait pour nous. Et comme nous sommes en ce moment les administrateurs, les gardiens de cette planète très précieuse, et nous commençons à voir la Terre et son caractère sacré avec cette vision sacrée. Nous sommes alors capables de dire oui, nous allons faire tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Pensez à la façon dont les parents se sont occupés de leurs enfants et ils arrivent à un moment où les parents ne sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes. Les jeunes sont devenus des adultes et ils prennent la responsabilité de s'occuper de leurs parents. Pendant longtemps, la Terre a pris soin de nous et je pense qu'il est maintenant temps pour nous de prendre soin de notre mère, la Terre, et de pouvoir partager nos prières, nos méditations et adopter un changement de vie qui soutient le caractère sacré de la Terre.
Prends quelques moments pour me détendre, pour m'asseoir confortablement et me concentrer sur ma respiration. En sachant que la respiration m'amène au moment présent. Je lâche prise. Et je retourne vers l'intérieur, vers soi-même. Je tourne mon attention vers mon esprit. Et je calme mes pensées, mes émotions. Et je dirige mon attention ma vision, mon regard vers l'Afrique. Je pense à cette grande initiative, The Great Green Wall, comme une source d'espoir pour des millions de personnes que leur vie dépend de la relation qu'ils ont avec l'environnement, avec la planète. J'envoie des pensées d'espoir, de résilience. Et je visualise les communautés en Afrique qui sont joyeuses, en abondance, avec accès à l'eau, en paix, en prospérité. Et c'est à partir de là que je peux visualiser un monde meilleur, une source d'espoir pour l'Afrique, pour la planète. And going within, bringing my attention to myself, to my thoughts, I bring this awareness to Africa, to the Great Green Wall, and to the millions of people that will benefit from this beautiful project. We visualize communities of greatness, people in peace and prosperity, sharing their resources, regenerating the planet, regenerating the soil, water coming back to the villages, smiles, and an atmosphere of peace, cooperation, and hope. Hope for the planet. Hope for the millions of people. Knowing that the power of my conscience the capacity to transform that which is now in degradation into something wonderful, prosperous, beautiful. When I change the vision that I have of myself, I can create the possibility to change a beautiful world that I know is possible
within my heart and to share this vision with others to create hope for planet Earth and for all the community of life. These are the gifts of spirituality, the gifts of hope, peace, and cooperation. Je m'appelle Agnetha et je voudrais vous remercier tous d'avoir été avec nous pour célébrer la Grande Muraille Verte à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Nous pensons qu'il est très important de partager nos pensées respectueuses, nos bons souhaits et nos sentiments purs pour le succès continu de la Grande Muraille Verte. En même temps, nous aimerons que cela continue. Donc, nous aimerions faire une humble offre à tous ceux qui voudraient se joindre à nous pour être avec nous une fois par mois pour ce temps collectif, pour générer cette énergie collective, positive et très puissante de bonté et d'amour. Nous proposons donc de nous réunir tous les deuxièmes dimanches de chaque mois et de donner ensemble notre temps, nos bons vœux et notre amour pour le succès de la Grande Muraille Verte. Mais nous aimerions également inviter chacun, individuellement, à donner une pensée, juste une pensée, une goutte de paix, chaque matin, pendant la journée ou la nuit. Par contre, ce serait tellement bien si chacun pouvait donner une seule goutte de paix par jour, pour qu'à la fin, nous ayons un océan de bons souhaits et d'amour qui émane de nos cœurs pour cette merveilleuse initiative. Gardons le contact avec notre cœur et créons ensemble la merveille du monde. Merci et à la prochaine. Thank you.